Merci madame, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Génial. Ouais. Allez, un sourire un petit peu plus. On est content. Bon, on remercie tous Thomas. Thomas, on jette à l'étonne maintenant. Allô, salam. سلام برادر عزیزم خوب هستی؟ مرسی خوب هستم خودت خوب هستی؟ همگی خوبم؟ کتابم این است که همه مشکلاتی که از افغانستان که مثلا برآمدیم رسیدیم تا فرانسه مشکلات مثلا در شورای J'irai voir après alors. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Dans l'ensemble, dans la classe, c'est vrai qu'on a tous été vraiment choqués de cette histoire et ça nous a pris aux tripes. Ouais, c'est ça le mot, ça nous a pris aux tripes. Au début, c'était un projet un peu fou, c'était une idée, on s'y est vraiment mis à fond, et même si on n'est pas trop calé en français, mais. Pour faire parler de lui. Première fois, je l'ai vu au lycée en fait. Le premier jour, je voyais qu'il travaillait là-bas. Au début, j'ai cru que c'était un élève. Non, en fait, c'est quelqu'un qui bosse au lycée. Hein. On a rencontré Rola, c'est devenu un ami un peu. On le fréquentait, puis notre prof, elle nous a dit comme quoi il avait eu un vécu, si on voulait bien qu'il nous raconte, etc. Du coup, il nous a raconté un peu, puis on était un peu choqués parce qu'on savait, on le croise tous les jours, on ne pensait pas que c'était comme ça. Ah ben, c'était le silence complet, alors que c'est des pipelettes. Des questions, ils n'ont pas osé en poser tellement qu'ils s'étaient soufflés. C'était fini, il n'y avait plus de paroles, plus rien. Bah, ça se voyait, on était tous en admiration devant ce personnage, parce que ouais, il a vécu quelque chose de... d'assez impressionnant. Nous-mêmes, on ne sait pas si on aurait pu le réaliser. Donc il a dû nous quitter parce qu'il devait retourner travailler. On y pensait, on y réfléchissait, puis on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas faire ça? Je pense que c'est le meilleur moyen pour lui de pouvoir s'exprimer.